Là aussi, dans l'ostéoporose, il y a eu effectivement une meilleure compréhension de la physiopathologie. Et en dehors de cet équilibre entre ostéoblastes et ostéoclastes, il y a des cibles privilégiées qui ont été identifiées ces dernières années. On connaît en particulier le RANK ligand et le denosumab, qui est un inhibiteur spécifique, un anticorps monoclonal agissant contre le RANK ligand, est en développement avancé et on attend sa mise sur le marché peut-être dans les mois qui viennent. Dans l'ostéoporose postménopausique. Et une autre molécule prometteuse semble être la sclérostine, qui semble pouvoir agir sur les cellules osseuses, en particulier les ostéoblastes. Et là aussi, il y a des espoirs quant à l'inhibition de cette molécule. On pourrait presque faire un parallèle entre l'ostéoporose et la polyarthrite ou les rhumatismes inflammatoires. Et d'ailleurs, cette réflexion n'est pas neutre, puisque il y a maintenant des ostéologues qui s'intéressent à l'immunologie de l'os. Et c'est vrai que si on fait un parallèle, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre, d'une part, de molécules cibles qu'on peut inhiber. Il y en a un grand nombre dans chacune des deux pathologies. Et d'ailleurs, on voit l'avènement de biothérapie dans l'ostéoporose, bon, avec un certain retard d'une dizaine d'années par rapport à ce qu'on a connu dans la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires en général.